Deuxième défaite consécutive, hier contre le Rwanda, aujourd'hui contre l'équipe algérienne. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre équipe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce qui concerne le match d'aujourd'hui? Pour le match d'aujourd'hui, nos petits ont eu du mal à entrer dans le match puisque de un, ils sont fatigués du match d'hier et ça se voit. Et en deuxième temps, il y a aussi nos bases arrières qui n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas dans leur match et ça nous coûtait cher. Fut la première mi-temps là qui était. Le score est allé si vite quoi. Mais on a essayé un peu de revenir à la fin. Puis du coup, il y a notre équipe qui a bien joué pendant le deuxième mi-temps. Mais en face, il y avait une équipe algérienne qui jouait bien, qui attaquait les intervalles et tout. Parce que pour nous, là, c'est comme je disais hier, c'est comme un apprentissage pour nous. Puisque c'est la première fois qu'on y participe. Et c'est là aussi que nos jeunes doivent apprendre de ce qu'est la CAN, le niveau, le jeu et tout. Et le dernier match, ça sera contre l'équipe nationale égyptienne. Comment vous allez vous préparer contre ce match? Contre l'équipe égyptienne? Grand favori dans cette Ouais, je sais. Et ce sont des mondialistes aussi. Oui. Et ben, nous, là, hier, on jouait mal. Aujourd'hui, ça commence à s'améliorer un peu. Et ben, on va essayer de continuer cette étape-là, de bien vouloir jouer, même si l'équipe d'Égypte a un niveau qui est supérieur. Mais on va essayer quoi, on va essayer d'imposer notre jeu, de jouer, puisque ce sont des petits, il faut qu'ils prennent aussi du plaisir. Quelqu'un peut se demander quel est votre objectif principal dans ce championnat, dans cette compétition? Notre objectif au début, c'était d'avoir la cinquième place, puisque c'était ça dans la formule, que l'équipe qui aura le cinquième place sera au cinquième place, sera qualifié directement la Coupe du Monde, c'est pas ça? Et bien c'était l'objectif qu'on avait fixé, mais du coup il y avait un petit changement puisqu'il y avait deux équipes qui n'étaient pas venues, non? Oui, oui. Et on n'a pas changé notre objectif, même si c'est presque mission impossible en ce moment, puisqu'on a déjà eu deux défaites, mais c'était l'objectif qu'on fixait. Et là, comme je disais tout à l'heure, on essaye de dire à nos petits de prendre plaisir, de jouer et d'acquérir le maximum d'expérience. Quand on voit sur le terrain, votre équipe, ça semble que ce sont des plus jeunes que d'autres équipes. Quel est votre commentaire? Non, pour nous, on reste réglo, puisque c'est le critère, c'est la CAN pour les U18. Et ben nous, on a convoqué des jeunes, des petits jeunes, puisque là aussi, on prépare déjà l'avenir de notre handball, puisque on a une nouvelle présidente, la présidente qui est avec nous. Et ben on envisage d'avoir une équipe senior d'ici 5 ans. Et c'est là qu'on prépare déjà. Donc c'est une préparation à long terme. À long terme. Okay. Merci. Ok, merci à vous. Okay.